Bonjour YouTube et bienvenue sur une nouvelle VOD de Tomb Raider. Nous sommes en Égypte. Nous sommes au sanctuaire du Sion. Le sanctuaire du Fion, pour votre plus grand plaisir. Un seul secret, 29 objets à trouver. Je pense qu'on trouve le troisième morceau de Sion ici. Je pense. On va se faire attaquer violent, là, j'aime pas du tout cet escalier-là. On était en train de discuter entre les deux VOD sur les prochains LP. Il y a Franbo qui est plus ou moins prévu. Il y a... Bah, il y a toujours Cash, 358 sur 2 Days. J'avais une petite envie de jouer à Mario Galaxy avec Luigi. Parce que du coup, le jeu est pas à 100%. On a fait que la partie avec Mario. Oh non, 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 non! Non, 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 non! I'm not ready, puis j'ai pas sauvegardé en plus. J'ai pas sauvegardé. Cassez-vous! Ok. On sauvegarde dans le sanctuaire du Sion, s'il vous plaît. Bon, là, il faut une clé, hein. Attends, un objet ou une clé? Un objet. Et peut-être même de l'autre côté, j'ai pas vu. La save, c'est à droite, bien évidemment. Non, là, il demande pas d'objet. Mais je crois que c'est l'objet qu'il faut. Bref. Mon goal dans la vie, c'est de sauter comme Lara. Genre... Attends. Mieux, celui-là de saut. Où elle se retourne dans les airs, là. Ouh, j'arrive même plus. Vas-y, fais ça. Le cul de Lara sur moi. Mais arrêtez, voilà, vous voyez, on disait là. Vous allez trop loin tout de suite. Trop loin, trop vite, trop fort. Ou alors le poirier en montant, effectivement. Oh là là. Caméra là. Caméra, Fiacos 3 viandes. Attendez. Il y a une bête. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Ah, j'aime pas quand c'est tout noir comme ça, là, ça me fout une... J'aime pas du tout. J'ai pas l'image. Mais c'est très fluide. C'est très fluide. Vous savez que j'ai peur que ça bug, moi. Vous allez voir, après, quand on va être sur Isaac, ce sera plus fluide. Enfin, moins fluide. Faire un petit Isaac après. Je vais sauvegarder là-haut parce que je sais pas trop comment ça se passe là. Si je peux remonter ici. Bouah ! Pardon ? Maintenant vous tirez vous ! Merde. Ça y est, les momies avec des flingues.
On en est là. Ça va pas là. Ça va pas la tête. Bon, ils aiment bien mettre de la musique comme ça, un petit peu de temps en temps. Petit levier en face et trousse de soins. Trou. Dommage. Nous avons ouvert une porte, mais nous n'avons aucune idée d'où est la porte. Oh merde! Je pensais que c'était juste écouté. Bon, allez, allez, allez. Si on se reconcentre, on se reconcentre. On est concentré. Nous sommes concentrés. Concentre-toi! Concentre-toi! Mais alors la porte là, ça, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui vole là? Non 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 non. C'est quoi cette merde qui vient de traverser, là? Nosferatu, là, qu'est-ce qu'il veut? Il va me faire tomber. Et ça explose, hein. Arrête. Diabolos, c'est qui ça, Diabolos? Il y a tout qui explose ici. Mais c'est trop haut, ça, c'est quoi cette histoire? Comme ça qui c'est qui? Ben non, il n'existe pas, c'est Nosferatu, là, Nosfera... Non, c'est pas ça. L'invocation de FF8. Ouais, tout explose parce que c'est que des bombes, comme dans le chat. Le chat est rempli de bombes.
Miroir. Tu m'as pas vu. Bah, je suis sûr que c'est très bien. En vrai, des gens vraiment moches, j'en connais pas beaucoup, hein. J'en connais pas. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Enfin, je veux dire, j'ai rarement vu des gens vraiment moches. Genre vraiment la vraie laideur. Les gens sont... Allez, ils sont mid. Tu vois? Ils sont bois. Vous êtes mid, madame, monsieur. Mais des gens vraiment moches. Bonjour, bonjour, cœur brioche touille. Merci beaucoup, Tofu Sauvage, pour le sub tier 2. C'est quoi ces bestioles? J'ai pas vu. Bah, je sais pas, une espèce de grosse chauve-souris géante rouge. Une espèce de petit diablotin. On n'a pas trop compris, nous aussi. Hein. Coucou Superbulle! Contente de te voir sur Streamaster. Un petit coucou pour te dire que je t'ai envoyé un MP Twitter. Genre aujourd'hui ou avant? Parce que normalement, je suis au courant. D'habitude, je suis au courant. Mais ça marche en tout cas, je vérifierai. Je pense pas la. Bref, normalement, je vais le voir. Re-origami. Je trouve que les MP Twitter font de la merde en ce moment. Bah, j'ai beaucoup de. Pff, des bots encore, des trucs. Hello, we want to collaborate with you with a lot of money. Et merde. What do you think about celle Fitpic à l'instant, ok. Ok. Non, mais normalement, je check, mais il y a beaucoup de MP bizarres. C'est les messages en jap ou en anglais. Je checkerai, en tout cas. Mais sinon, ouais, le jeu, ça se passe bien. On a presque fait tous les niveaux à 100%. Hein. Enfin, 100%, on s'entend, tu vois, objets et trésors, là, secrets. On les a presque tous trouvés, hein. J'essaye en tout cas de trouver un maximum. Après, je fais pas forcément les trophées parce qu'ils sont un peu abusés, en particulier sur une première run. Moi, je regarde un stream, je regarde une streameuse, un streamer, et je pompe. Et je pompe. Je sais plus où t'en es parce que souvent je te vois dessus puis je regarde pas trop parce que je sais qu'un jour je vais les faire aussi. Je sais pas si t'es sur le 2 ou le 3 là. Faut que je sauvegarde. Eh sinon par contre oui ce que je fais c'est arrivé aujourd'hui même hein. Ça m'arrive d'appuyer sur charger au lieu de sauvegarder. Bien sûr. Et merde. Non, les Tomb Raider récents m'intéressent pas. Moi, c'était vraiment cela, cette ambiance d'exploration.
Les autres m'intéressent pas. Attends. Sauvegarder, pas charger, ouais. Terrible. Ambiance chinage, ouais, c'est ça. C'est vraiment ce style-là. Et puis les contrôles, moi, je les aime bien. Les fameux contrôles du tank, là. J'aime bien. En particulier de les faire en stream, je trouve que... Enfin, je sais pas, ça permet de bien discuter entre nous. C'est un just chatting déguisé. Le chat se dévergonde. Il y avait un objet à gauche, là? Il y a un objet là en bas. Ok. C'est quoi ça? Je ne suis pas sûr. Ok. J'ai comme un doute là, je sais pas, bizarre. C'est les Uzi. Mais pourquoi il est là en plein milieu de nulle part? J'ai sauvegardé ou pas? J'ai déjà oublié. Oh non, pas lui, je sais pas ce qu'il veut. Oh! Je vous avais dit qu'il allait nous pousser. Je pensais que le premier allait nous pousser, mais... Et d'où il vient, là? Il était pas content que j'aille voir les zizi, machin. Bon, on va sauvegarder ici, hein. Je vais peut-être me le faire au fusil à pompe. Voilà. Voilà. Ça dégage, exactement. Montre-lui bien, salut pingouin. C'est loin, non? À chaque fois, j'ai l'impression que c'est super loin. Mais je comprends pas les zizi invisibles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que je fais, j'y vais. Je saute là-bas. Ok. Thank you.
Nathan! Nathan! Non! J'ai paniqué. J'ai vu les deux sbires, là. J'ai paniqué. Hélas. Attendez. C'était quoi les trophées, là? Codex de l'Égypte. Trouver tous les secrets en Égypte. Parce qu'en plus, c'est noté comme un secret, ça. Et l'autre, c'était quoi? Avec Uzi, trouver les Uzi cachés en Égypte. Cachés, ok. Ouais, cachés, ouais. On fait comme ça. C'est quoi? Venez! Bah, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est normal du coup là que ce soit invisible? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est ouais. Ça le secret, c'est que c'est au-dessus du vide. Ok. C'est particulier, hein. C'est normal. Ok. Bon, je vous crois. Ah, j'aurais peut-être dû... Parce que j'avais vu un objet là-bas, attendez. J'aurais peut-être pas dû descendre. Ils sont pas ultra efficaces, bah ça demandait quand même beaucoup de balles, hein. En fait, non. On va peut-être pas faire comme ça. Voilà. Bon. J'ai quand même activé un levier là-haut, hein. Attends, je suis remonté là. Après, j'abuse un petit peu du mode photo, hein. Je loue bien neuf, oui. J'ai la flemme de refaire la route. Je suis venu là, j'ai fait tout ça, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je crois pas.
Et là, c'est l'autre levier que j'ai fait. Ok, non, je pense qu'on est pas mal. Non! C'est pas ce que je voulais faire. Mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà! Ok. Donc, on a ouvert une porte qui avait en hauteur et une porte sur le côté. C'est la porte en hauteur, je l'ai toujours pas vue. Hein. Mais ça se trouve, on l'a... Je sais pas. Non. Je crois que c'est là, la porte sur le déco. Oh non, il y a de l'eau. On est foutu. Je crois qu'ici, c'est pour se rattraper quand tu fails. Enfin, on va tomber là. Tomber la chemise. On a déjà fait cette blague, hein. Allez, hop. Allez, ça fait pas de mal. Hop là. Ah oui, mais c'est une glissade. Alors attends. J'aime bien de temps en temps. Hein? Ça fait du bien de temps en temps. Petit poirier. Faut bien se la péter un petit peu, hein. Elle a raison. J'ai cru qu'il y avait à avoir un autre objet en face. Qu'est-ce qu'il vous racontait, le chat? Ça te dit? Je comprends pas. Moi, je vous ai perdu. Hein. Allez-y, allez-y. Hein. Complètement déglingo. C'est pas grave, hein. J'aime pas trop les sauts à la fin d'une pente parce que je sais pas quand il faut sauter, j'ai pas bien capté. J'ai pas trop les crampetés du saut. Ah, pour le poirier, faut le faire sur le visage du sphinx pour un trophée. Tu vois, ils sont pas drôles, les trophées de ce jeu, parce qu'il faut... Enfin, tu dois te spoil, les trophées. Tu peux pas les faire par hasard. Quoique, on en a peut-être fait un ou deux par hasard, mais vraiment avec beaucoup de chance, quoi. Et il y a même pas de trophée pour aller sur le toit de son manoir. C'est d'un triste. Je vais sauvegarder. Putain, j'arrive pas à ça. Sur le giga panard de Midas. Il y en a pas mal en vrai que tu peux faire sans la liste sous les yeux. Bah genre par exemple là, enfin de penser à faire ça.
À faire un poirier à chaque fois qu'il y a un élément notable. Moi, je sais pas. Je trouve pas ouf les trophées de ce jeu. Enfin, il faut se spoil la plupart. Après, j'aime bien. Mais tu peux pas les faire sans spoil, je trouve. Il y en a des complètement what the fuck que j'ai découvert par surprise. Bah, je sais plus, je m'en souviens plus, mais il me semble que ça m'est arrivé aussi. Je sais plus lesquels, par contre. Allez. Ah oui, avec le marteau de Thor en Grèce. Oui, on a eu ça. Je vais re-sauvegarder. Il va jamais passer par ici. Ah, il va venir! Ah, mais c'est vrai qu'il me tire dessus! Putain, mais j'attendais, moi. Je me suis dit, ah, il pourra jamais me toucher! on va le faire au fusil à pompe, hein. Les petits zizi, là, j'ai l'impression que c'est pas fou. Le fait qu'ils explosent, ça me... ça me couche. Prendre l'objet, c'est pas du tout... C'est pas du tout... Ça va rien déclencher, là. Apparemment, non. C'est le dernier niveau de l'Égypte, ça, du coup? Ouais. Hein. Ah, mais du coup, ça veut dire... Est-ce que la suite, ce serait pas... dans l'Atlantide? C'est un piège, hein, il faut pas répondre. Allez, Sky, il est attendu pile que je dise ça. En plus, il connaît même pas le jeu. Aïe. Technique du speedrun, ça. Par contre, tu vois, c'est ça qui est beau. Que ce soit en Grèce, au Pérou ou en Égypte, le bruit du vent, c'est tout le temps le même. Moi, ça veut dire beaucoup, tu vois. Mais arrête, Sky, on sait très bien que tu connais rien, là. Tu te saoules. J'attrape mes zizi. Ah, mais il y avait quelque chose là. Ouais, le vent quoi. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Peut-être qu'il y a quelque chose là-haut. J'ai pas regardé à quoi il ressemblait. D'ailleurs, attendez. Il me faut ma miniature de VOD, là.
Putain, j'ai foutu Lara en plein milieu, là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Dégage! Attends, j'aurais dû la bouger. Ah, je veux pas Lara dessus, moi. Il a un gros jetard vert, lui. Bizarre. C'est bon. Allez, Lara. Cache... Descends encore un peu. Là, voilà, nickel. Nickel. Peut-être plus comme ça. En fait, j'aime pas le... Voilà, comme ça. Allez, c'est ok. Est-ce que on n'en profiterait pas pour mettre Lara sur le nez du sphinx? Non? Viens par là. Par contre, je suis pas sûr qu'on ait assez de distance. Ouais, je passe souvent en mode texture d'antan, pour la luminosité en particulier. J'aurais trop kiffé que ce soit en 60 fps. Ah, je peux pas aller plus loin, là. Putain, on est vraiment à la limite. Ouh. Rôle pas mal sur la narine, en fait. En vrai, peut-être qu'on fera la miniature comme ça. Et je trouve que le pire, c'était le niveau d'avant, là. Et il y avait une face toute plate. Ok, laisse tomber. On continue. Arrête. Tu vois, là, c'est plus lumineux. Là, j'aime mieux. Là, j'aime moins. Là, j'aime mieux. Mais... Putain, c'est un 30 FPS, quoi. J'aurais joué tout le temps comme ça si on était en 60 FPS. Rien. Très fort, ça, c'est très très fort. Mais je crois qu'il lui en faut un autre sur le front. Ce qui m'arrange pas, hein, remarquez, parce que... Je sais pas du tout où est l'autre. Caméra. Oui, il en faut un autre, là, hein. Comment tu veux faire le trophée où il faut faire le poirier, là, sur le front? D'accord. D'accord. Fais comme ça, hein. Attendez, j'essaie de faire le mode photo en même temps, là. Y a pas les petits pieds qui sortent du nez?
Oh. Bah oui, voilà, c'est ce qu'on récolte. Bon. Il nous faut le deuxième morceau. Ah bah c'est en face, regardez la porte que j'ai ouverte, non? C'est pas ça? Peut-être pas du tout. La toute première porte que j'ai ouverte, c'était pas celle-là? Parce que ça, c'est quoi? C'est fur ou c'est pas fur? Je sais plus si c'est de là que je viens ou non en fait. Là, j'ai récupéré une trousse de soins. Peut-être que j'aurais dû aller là. Doucement, doucement. On sait pas. Bah ouais, bah ouais. Attention à la mousse. La mousse qui glisse. Attention à la mousse. Ah mais peut-être... Non. Je sais même plus d'où je viens. Arrête de prendre des dégâts là. Tu fatigues tout le monde. Tout le monde est fatigué. Le chat en a ras-le-bol. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer à Isaac. Ah, c'est le début là, c'était les escaliers. Mais n'empêche que les escaliers, ils voulaient un objet aussi, hein. Mais je sais pas comment on le chope. Comment je vais là-bas? À savoir que la référence que j'ai fini le niveau en 20 minutes. T'as fait ce niveau-là en 20 minutes? Oui, mais tu sais où sont les objets, c'est pas la peine de se moquer de... Moi aussi, hein, je finis en 20 minutes quand je connais, hein. Et quand je récupère pas tous les... T'as récupéré tous les objets? Bon. Non! Y a un truc qui vole et qui pue là. C'est vraiment nul les zizi! Très déçu. Ça m'étonne que j'ai raté ce saut. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Non, pourtant. Est-ce que ce serait pas ce qu'on avait fait là pour les Udi, justement? Tac, tac, tac. Ah ouais, on dirait bien. Hein. Moi, j'étais monté tout là-haut. Donc en fait, il faut rester sur l'étage du bas. Là où j'avais chopé l'objet. Oh putain, faut faire un détour de ouf. Je crois que c'est un détour de ouf, là. Hein.
Mais heureusement, je maîtrise le gameplay, ça va se faire vraiment très vite. Pas moyen d'aller là. Wow! Oh, je fais le fou, je fais le fou. C'est le rythme des 20 minutes, ça. Ah bah ouais. Je suis dessus, là, je suis dessus. Puis je regarde, je sauvegarde même pas. C'est sans filet, là. 100% filet. C'était une bonne idée, ça. Hein. C'était vraiment de l'autre côté, en fait. Hein. C'est super. C'est super. Bonne idée! Bonne idée! J'arrive, bijou! Je sais pas si je vise, en fait. Attendez, j'utilise trop de mun, là. Ça va pas du tout. On va prendre les magnums. Je vais les regretter, ces balles de fusil à pompe. Je me décale, je me décale. Bouge. Ça passe. Ça va, je trouve. Ça va, Senna. Donc on refait ça et c'est
peut-être déjà la fin du niveau. On en est où dans les objets? On a 20 sur 29. Hein, il en manque quand même pas mal. Ça me paraît beaucoup. Retour de Secret Story le 23 avril. Ah, je t'avoue que c'est plus trop mon délire. Déjà qu'à l'époque, c'était pas trop ça. Même si il y a quelques mèmes qui me font encore rire. Mais je trouve que ça a plus trop de lieu d'être. En fait, je trouve que les émissions un peu télé-réalité, ça peut ne marcher qu'une fois, voire deux saisons. Parce qu'après, les gens qui vont s'inscrire connaissent déjà le délire. Du coup, je trouve que il n'y a plus de surprise et les gens sont déjà préparés. Comme le premier Loft et tous ces machins. La première Secret Story... pas Secret Story. Star Academy. Les premières saisons, je trouve, y a le mystère pour les candidats et candidates. Est-ce qu'ils ont l'intention de traiter les candidats comme des humains? Ça, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Ils disent qu'ils ont changé la formule. Ouais, par curiosité, j'ai bien envie de savoir ce qu'ils vont faire, mais... Je pense que j'ai beaucoup de flemme en moi. pour regarder. Hein. À moins qu'il y ait un petit react chez OP. Ils parlent de bienveillance. Ouais, ils disent ça. Je sais pas, hein. Go react chez Peek. Ah, je suis sûr que Peek sera ravi de regarder Secret Story. Ah, vraiment, je pense que c'est son genre de programme. Je vais pas revenir en arrière, là. Si je rate un objet, c'est foutu. Ouh la vache, c'est profond. Oh. Il y a un passage que... Je peux pas le prendre. Ah, on voit un peu mieux comme ça, je trouve. Des passages sous les gambettes. Ah, j'ai tous les objets dans l'eau, là. Ok, c'est bien, alors. Ah!
C'est pareil ici. Merde. Je peux le faire ça de... Attends. D'habitude, ça, je peux pas le faire quand il y a de l'eau. Et je ne peux effectivement pas le faire quand il y a de l'eau. Il doit y avoir un levier pour virer l'eau ou quelque chose comme ça, non? Mode photo pour éviter d'avoir à remonter. Je sais pas, là, ça casserait peut-être trop le gameplay. Je sais pas, attendez. Quand j'en aurai marre. Ouais, ouais, il y a le manoir, il y a tout, hein, il y a vraiment tout comme. Comme sur PS1, PC ou Saturn ou que sais-je. Je revérifie ça, mais. La recette de la pâte à crêpes, j'ai jamais fait de crêpes en vidéo ou en stream. Merde, mais mon souffle! Putain, peut-être qu'on va mettre le mode photo. Non, j'ai pas fait de crêpes en vidéo. C'était des sortes de muffins ou je sais plus, ou cupcakes ou je sais plus trop l'idée. C'était pas des crêpes. On voit même pas la surface quand on est en nouveau là. Non, non, même dans les vidéos cuisine, c'était pas, y avait pas eu de crêpes. Il y a eu peut-être une espèce de stream caché où j'avais fait des crêpes avec des gens, mais... Bref, c'est vieux, n'en parlons plus. Que je pouvais remonter là, non? T'inquiète, t'inquiète. Maevision. C'est pas grave hein, si tu savais pas, et puis c'est pas grand chose, t'inquiète. Ah, ça doit être là, non? Non, pas du tout. Déjà, on voit rien. Rucking. Il y a des gens là qui connaissent pas le jeu, qui pensent avoir vu ce qu'il fallait voir.
Bah, on cherche de quoi avancer là, en prenant du recul peut-être. Il y a effectivement quelque chose là-bas, mais ça, je peux pas l'activer quand je suis sous l'eau. Je pense que c'est peut-être hors de l'eau, hein. Peut-être que j'ai mal compris cet endroit-là. Parce que ça c'est une pente, donc je peux pas. Voilà, je peux pas y aller, hein. Je l'avoue, il faut bien chercher dans l'eau. C'est bien dans l'eau, mais bon Dieu, j'ai l'impression d'avoir fait 20 000 fois le tour. C'est toutes ces portes-là. Peut-être que c'est juste un passage. Attends, Yves, ne nous dis rien. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé, bon Dieu de merde. J'ai rien demandé. C'est pas parce que ça devient un petit peu long qu'il faut se donner des libertés. Y a quoi en général, un bouton, un levier? Bah, je m'attendais à un levier pour baisser le niveau de l'eau, mais je me dis que peut-être c'est un passage sous l'eau. Des fois, il y a des passages un peu genre en mode demi-bloc. Mais bon, du coup, maintenant, on me dit que c'est dans le coin. Ah, rappelez-vous qu'il faut pas me donner les infos, hein. C'est justement mon trauma YouTube de me dire que dès qu'il commence à passer trop de temps, ça va plus. Alors si vous vous mettez à donner les infos parce que vous trouvez que ça dure trop longtemps, on est mal barré. Donc pas d'infos. Je sais que c'est dans l'eau. C'est quand même bizarre. Non, il n'y avait pas de mode photo. C'est
fallait bien remonter à la surface, prendre son souffle. Putain, mais merde. Attends, je... Confirmez-moi que c'est pas ça quand même, parce que ça, j'y arrive pas. Tu penses que je devrais arrêter le mode photo? Alors, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent quand j'approche, mais on est venu tout à l'heure, hein. Peut-être que je me suis pas approché assez? Non. Non mais c'est pas possible qu'on soit tous bigleux là, parce que les gens qui ne connaissent pas le jeu ne se trouvent pas non plus. Sur le nez. Non, non. Ou rentrer par dessous le nez. On va trouver. On va trouver. C'est sûr. C'est sûr. C'est comme ça. Changer un peu. Passe en mode photo, hein, parce que c'est trop long sinon. C'est pas particulièrement un niveau aquatique en plus. Non, non, c'est juste là, il y a une grande salle. Théoriquement, je sais pas non plus ce que je cherche. Hein. J'ai envie de croire... Enfin, je voulais croire que c'était un levier, mais peut-être même pas. Ça doit être un passage, même pas forcément un objet. Il y a un truc qui flotte dans l'eau à un endroit. Un truc qui flotte... C'est pas trop le délire d'habitude, hein. C'est plutôt un objet posé par terre. Il n'y a pas beaucoup de possibilités dans ce jeu-là, quoi. Ouais, je suis bloqué là et j'essaie de... Enfin, je vous ai pas demandé d'infos. Yves était presque en train de trop en dire, donc... Parce qu'effectivement, il y a un passage là. C'est dingue quand même.
Il y a un levier ici. Enfin, un levier, un interrupteur. Pour moi, il faut baisser le niveau de l'eau. C'est pour ça que je cherchais un levier ou quelque chose comme ça. Bizarre, quoi. Je repasse. Merde. Je repasse comme ça. C'est les bulles que t'as vues? Ok. Peut-être comme indice me dire ce que je dois chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe à un indice comme ça? Genre, qu'est-ce que je cherche? Un passage, un levier, une clé? Un levier. C'est bien le levier, c'est bien ça. Ouais, c'est une vraie question. C'est bien le levier pour faire baisser le niveau de l'eau ou peut-être ouvrir les portes et derrière on pourra... C'est fou quoi, il est où votre levier de merde? Abaisse le levier et cronque, mais je ne demande que ça. C'est très grave là. C'est pas possible! Ça me rend fou. Je rigole tout seul, mais riez, riez si ça peut vous faire plaisir. La petite main pour l'actionner pourrait apparaître. Ouais, bah non, mais attends. On va pas frôler tous les murs. A plus, Nanex. C'est trop grave! Ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on fait? Un deuxième petit indice. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, King, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que tu devrais baisser le levier. Jambes. Attention, hein, j'ai dit King. J'ai pas dit Mélanie. Hein. Faut faire gaffe, hein, c'est pas la première fois. Faut suivre, hein, je vous assure, c'est pas difficile. Il n'y a rien au-dessus de l'interrupteur. Franchement, il n'y a rien, il a bugué votre jeu, il n'est pas apparu en fait. L'énigme est impossible. Tu comprends pourquoi? Eh, pour l'instant, c'est vraiment pour la première fois qu'il y a vraiment un truc comme ça, King. Franchement, tout le reste, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement pénible.
Allez-y, donnez-moi la réponse. Je ne trouve pas. Sous la jambe droite. Sous la jambe de la statue. À côté de la porte. Oui, mais attends, gauche ou droite? C'est ça droite ou c'est ça gauche? Porte à droite. Levier entre la jambe de la statue de droite. À côté de la porte. Ça, c'est droite ou gauche? C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas dans quel sens on se met. Approche-toi. Wow. C'est très grave, comme tu dis. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé la porte de gauche et pas celle de droite. Merde, quoi. Bon, bah merci, hein. Oula, il y a du courant. Nous voilà partis. J'ai été aspiré. Bon! Oh, ça m'a pris une énergie là. Je vais me coucher. La voilà partie. On cancelle Isaac. Arrêtez, j'ai peur que Isaac ça bug parce que j'ai peur que le stream il bug et que ce soit pas fluide et que. Mais putain, attends, mais ça sert à rien en plus. Ah non, c'est juste qu'on revient là. Non, non, mais d'accord. Petite save après ce long périple. Ouais. Petite save là. Non, mais gâteau choucoute, c'est pas. Je stresse de tout, moi. Ils sont sympas, les ennemis. Une blague. On a eu des diabolos volants, là, qui explosent. Et les centaures qui explosent et qui tirent et qui. Mais maintenant j'ai des zizi qui font pas tellement de dégâts. On est un peu déçu par le zizi. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais un peu déçu par les zizi. Clo a bien baissé. Non. C'est pas le genre de fap-fap auquel on est habitué ici.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? What? Attends, peut-être qu'on peut rejoindre là-haut? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que j'ai libéré la bête du Gévaudan là depuis la porte? M'étonnerait pas ça que d'un coup il y a un croco. Ça c'est bien des couloirs pour qu'il y ait une boule qui tombe, qui nous écrabouille. Il y avait un secret avant ce bug, et eh ben c'est râpé. C'est râpé. Peut-être que j'aurais dû faire le poirier sur le front de quelqu'un là. Les crocrocro, les crocrocro, les crocrocodiles. Lou, et c'est partir pour le 24 mois. Brioche, touille, brioche, touille, brioche. J'attendais le message. Merci beaucoup, Furitou, pour le 24e mois. En sub-tier 3. C'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Oui, elle fait le dindon au début. Une trousse de soins? Oh non! Mais comment ça, une trousse de soins? C'est très grave. Bon, je redescends. J'ai l'impression d'être dans un. Ah, mais je pourrais pas. Attends, c'est trop grave, là. J'en ai ras le... Oh, je le vais pas le chercher, vas-y, j'en ai ras le bol. C'est bon. Hop! On est parti. De toute façon, on fait pas un 100% puisque j'ai raté le 100%. Mais j'ai raté, il y a des niveaux que j'ai pas à 100%, bulle. Il y a des niveaux que j'ai pas, il y a des niveaux que j'ai pas eu. Ah, mais attends. On peut quand même revenir au début, là. Ça suffit, ces conneries. Vraiment, ce sera une formalité, le 100%, vraiment, pas de problème. Ah, ça va être... Ça va se régler, là. Donc, une trousse de soins. Qui saute. Alors, une trousse de soins, oui, donc voilà, on va faire 100% parce qu'après, les gens sont pas très contents. Non, mais je peux pas croire qu'il y ait une trousse de soins qui est apparue alors qu'avant, il y avait rien dans l'eau là. On est passé 50 000 fois, il y avait rien. Alors genre, c'est parce que t'as tiré la chasse, le mouvement de l'eau a fait que... C'est très grave, ça, c'est très très grave. J'ai rien. Hein? Elle est où la trousse? Non, ça se trouve, tu trolls, je sais pas.
Je te le dis, les développeurs sont des sadiques. Parce que tu connais ? Non. Ah, j'essaye de pas toujours déconner avec la caméra libre. L'objet est impossible à trouver sauf si tu connais le jeu. Ta 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 ta. Elle est pas visible de toute façon. Mais quoi ? Et Superbulle là qui faisait les mots d'Isaac qui pleure genre oh bah alors t'as pas trouvé. Bah oui, j'ai pas trouvé, oui. Merci Nakayaz. Il faut que je me mette là-haut et que je mets ramasser. C'est ça la blague. Je ne connaissais pas et j'ai fait comme toi. Non mais franchement. Par contre, ça doit faire un trophée. Est-ce que le pire, c'est que ça va compter dans le bazar là. On est à 22 sur 29. Moi je dis elle est là. Pas du tout. Là, l'idée, c'est de parcourir chaque sol, chaque parcelle de sol. C'est haut, ça. Hein. Je sue. Arrête ! Arrête ! C'est la pire salle, hein. Allez, hop! Vu. Mais oui, bien sûr. Sky qui a pas compris que l'objet était invisible. Casse les couilles, hein. Un distrou à oreille. J'ai pas envie de vous mettre des time-out, hein, mais s'il vous plaît, ne donnez pas d'indice tant que je ne le demande pas. C'est tout ce que je dis. Même si c'est impossible, même si quoi, j'ai rien demandé, vous me dites pas. C'est tout simple. C'est pas la première fois, Yves, s'il te plaît. Il n'y a pas plus facile. Oh là. Pas plus difficile. Hein. Je demande pas, tu dis pas. La prochaine fois, ce sera un time-out sévère, hein. C'est pas possible. Oh putain. Waouh.
23 sur 29. Et hop là! Bon, faut se retaper la remontée de parking souterrain, là. Celle qui donne le tournis. Devinez qu'il n'a plus de wifi. Oh non, Arbousier, c'est pas possible. Merde, c'est vrai qu'il y avait des objets. Non, en vrai, le spoil sur Undertale, c'était, ça allait, hein. Je trouve que ça allait. Bon, il y avait 2-3 trucs, des gens un peu habitués qui voulaient donner leurs infos. Mais là, Yves, c'est quand même dingue. Vous pensez qu'elle aurait été visible avec l'ancien graphisme? Non, je crois que c'est vraiment quelque chose de buggé, quoi. Enfin, buggé. Oui, c'est bref. Ça a jamais été réparé et ils l'ont laissé même dans le remaster. Je sais plus si j'ai sauvegardé juste avant. Ah mais c'est vénère, hein. Oh, c'est quoi ce bordel, là? J'ai sauvegardé après la trousse de soins, là, c'est ça? Tiens, Ace, c'est maintenant, hein. Si tu le rates... Attention, t'es prêt? Oui! J'ai pas activé le levier. Médiavision. Le petit bâtard avec sa pioche, là, je te jure. Bon, je récupère les objets, je sauvegarde. Et on va bien finir par passer ces trois mobs, là. Qui se prend la porte. J'adore cette scène. J'ai pris tous les objets là? Parce que je regarde plus maintenant. Oui, c'est là. Alors, on va réessayer comme ça. J'ai quand même plus de mun. Je suis pas full vie, mais on va attendre de prendre des dégâts avant de prendre une grosse trousse de soins. C'est bon.
En vrai, je sais pas s'il faut sortir ou laisser les plus petits arriver. Parce que le plus gros, il va pas venir, je pense pas. Fuck! Chaud, chaud. Ah, j'ai cru qu'elle avait vraiment trébuché. On peut te parler un peu du développement et des anecdotes? Ça, oui, ça, c'est ok. Allez-y. Arrête de me pousser, mais... Merde, je suis mort. Je vais me soigner. Je veux pas utiliser le fusil à pompe, j'ai pas assez de mun pour les trois. Je vais tout utiliser si je fais ça. Ou peut-être les petits zizi, mais ils ont pas l'air d'y avoir assez de dégâts. Il y en a un qui a pété là. Ok, c'est pas mal. Maintenant, le gros gibier. Non, tu tires n'importe où, là. Tu fais de la merde. Ok. Attends, j'ouvre ça. La jauge en haut? C'était ma vie. Il y avait autre chose? Ou peut-être mes munes? Je sais plus ce que t'as vu. Vingt-huit sur 29 objets. Et des fois, il y a une barre de vie pour les boss. PTDR, t'es qui toi? Toi que je t'ai pas vu là? Hein? Hein? L'autre planqué derrière son mur là. Il va tâter de mon zizi lui, tu vas voir.
J'ai encore mal au crâne à cause de toi. Et j'entends des petites voix dans ma tête. Elles me disent de te tuer. Ok. Ciao. C'est ciao. Finalement, les zizi contre les humains, ça marche bien. Oh, il y a le troisième sion. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite trousse de soins qui se cache ? C'est le bédo, ça lui fait mal au crâne. Non ! Miracle. Et on se barre sans le sion. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'y avoir d'objet qui traîne, donc je pense... Alors peut-être que le sion fonctionne comme un objet. On va vite le savoir. ...29/29. Très bien. Donc le niveau est bel et bien à 100%. Alors non sans mal, hein, dans la flotte là, quel enfer. Quel enfer. Ah, le soleil. Je crois que vous venez de gagner le gros lot. Waouh. Salut. La scène est dans les choux, alors. On peut le dire comme ça. Bon, alors maintenant, on arrête de jouer. C'est vous mieux comment? Me rendre ce qui m'appartient. Voyons dans le sac. Et alors, tu es là. Bande d'idiots. Allons-y. Shade. Non mais arrête de te la péter là. On est très énervé, hein. Mais elle roule sur les murs. Oh là 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 là. Ça me fait rire. Elle va sauter en moto sur le bateau. Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Par là-bas. Probablement un poisson. Un sacré poisson, alors, fiston. Allez, décrispe-toi, mec. Bon, j'y Décrispe-toi, mec! Doucement. La voilà! On peut y aller? Elle est vachement longue, la cinématique, hein, pour un jeu comme ça. Ça devait prendre la moitié du disque.
Oh merde, on arrive dans l'eau. J'ai perdu toutes mes armes. Oh les petits bâtards. J'ai plus que les petits pétards. Les mines de Natla. Ah, ils les ont pris dans la ciné. Merde, j'ai plus... Oui, oui, du coup, save. Voilà. Même pas les petits pétards. Oh. Rien du tout, ils ont tout pris. J'ai plus rien. Même pas les petits pétards. Bon, bah, c'est la fin de cette partie, hein, YouTube. J'espère que tu as apprécié. Des bisous à toi, on se retrouve la prochaine fois pour explorer les mines de Natla. Et je pense qu'on récupère nos affaires et qu'après on fonce... on va dans l'Atlantide, non ? Quelque chose comme ça. Ne répondez pas, bien évidemment, vous allez vous faire avoir. Des bisous YouTube. À la prochaine.